Est-ce que Kolo Muani a raison d'aller au bras de fer avec son club Francfort pour aller au PSG, pour rejoindre le PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Ronald Kolo Muani, mais avant de commencer, si tu veux découvrir à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on n'est pas, ce n'est pas le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, les amis. Est-ce que Kolo Muani a raison d'aller au bras de fer avec Francfort, sachant que c'est Francfort qui le paye? Du coup, donc, Kolo Muani a séché les entraînements. Il ne veut plus aller aux entraînements. Son rêve, c'est d'aller au PSG. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Moi, je pense que lorsqu'un joueur sèche les entraînements, ça signifie, ça envoie un message à la direction. Parce que lorsque la direction refuse de vendre un joueur, pour moi, c'est presque le seul moyen de mettre pression sur la direction. Certes, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'aller au bras de fer, mais lorsque tu as tout essayé, lorsque tu as le causé avec les dirigeants, en leur disant que négocier mon départ et que les dirigeants refusent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas forcer la décision, non? C'est un peu ça, ce n'est pas bien, mais en même temps, on s'est dit que Kolo Muani veut peut-être réaliser son rêve. Harry Kane l'a fait. Lorsque Harry Kane voulait aller à City, lorsque City voulait Harry Kane, Harry Kane a séché les entraînements. Donc ça arrive. Ce n'est pas bien, mais c'est juste un moyen de pression pour mettre, pour faire pression aux dirigeants. Donc, pour moi, il n'y a vraiment rien de méchant là. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kolo Muani a le droit ou bien est-ce que c'est bien d'aller au bras de fer avec son employeur? Est-ce que tu penses que c'est la bonne méthode pour forcer ton départ du club? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. De toute façon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!